Alors, on se retrouve pour une petite vidéo d'introduction au Tarotton, puisqu'on est J-1 avant le lancement du Tarotton. Donc, je suis en compagnie de Wassima. Bonjour Wassima. Bonjour Candice, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo, qui s'attendent impatiemment, ils attendent. Oui. Petite vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu plus en détail justement le déroulement de cette journée, à quoi vous pouvez vous attendre, qu'est-ce que vous allez voir, qui va être là, comment ça va se passer, le thème, vous allez tout savoir, vous allez avoir beaucoup d'explications aujourd'hui. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Wassima qui va vous expliquer en réalité qu'est-ce que c'est le Tarotton. Alors, le Tarotton, c'est un tournoi. Moi, je l'appelle tournoi parce que ça se passe à toute vitesse pendant une journée. L'idée, je l'ai eue à travers une chaîne anglophone, celle de Hermit's Cave. Simon, il a regroupé plusieurs intervenants sur le sujet du tarot, plusieurs youtubeurs, et ils ont décidé de faire un tarotton, c'est-à-dire quand c'est comme une série de conférences, mais plus sur YouTube. C'était gratuit. On a pu voir plusieurs intervenants qui se sont regroupés et j'ai trouvé ça génial. Et une de mes résolutions l'année passée pour 2018, c'était de travailler plus en équipe, de travailler plus en regroupement, amener plus cette communauté ensemble. Et donc voilà. On a regardé, moi et Candice, la possibilité de le faire et voilà, on a mis ça sur pied. Alors, le Tarotton, c'est un tournoi de vos youtubeurs préférés. On va vous offrir différentes conférences thématiques, sortes de conférences sur YouTube. Certains vont être enregistrés, mais la plupart vont être en live. Alors, le sujet pour ce tarotton, c'est dépassant les préjugés parce que, veut pas, on est une petite communauté sur YouTube quand même. veut pas, on est un tout petit pourcentage parmi une grande population du monde qui s'intéresse au tarot, à la spiritualité, etc. Et donc, le but de ce tarotton, c'est d'enlever certains préjugés, certains stéréotypes sur les cartes. Est-ce que c'est les cartes, c'est pour voir l'avenir? Est-ce que on fait appel à des esprits mauvais? Est-ce que il y a plein de préjugés autour des cartes? Alors, on voulait démystifier ça et en même temps vous partager notre passion, vous donner des idées, vous donner des outils sur comment vous pouvez utiliser le tarot ou les oracles d'une nouvelle façon. Peut-être que vous allez découvrir des choses vraiment nouvelles et différentes parce qu'on a différents intervenants et chacun a son style, chacun a son approche. Alors, il y en a qui font de la divination, il y en a qui font plus du développement personnel, il y en a comme moi qui font plus du travail chamanique aussi avec les cartes, qui font aussi de la prospection, etc. Donc, il y a plusieurs approches et c'est ça qui rend ce tarotton riche des personnes qui vont participer par vos participations aussi parce que, oui, il y a des intervenants, mais vous aussi, vous êtes des intervenants. On va faire des lives. On s'attend à ce que vous soyez là avec vos questions, avec votre bonne humeur aussi, avec votre volonté aussi de partager. Parce que ce tarotton, c'est pas juste pour les gens qui aiment les cartes. C'est pour démystifier les préjugés. Donc, vous pouvez le partager le plus possible. Donc, voilà la thématique du tarotton. Alors, du coup, comment ça va se passer cette journée? Eh bien, cette journée, elle va se dérouler de 8h à 20h. On vous a déjà partagé en amont sur nos pages Facebook, sur YouTube, un petit peu le programme. On vous a proposé aussi par affiche le programme des horaires. En réalité, toute la journée, ou presque, vous allez avoir des lives qui vont commencer à 8h et qui vont se terminer à 8h du soir, le 8 décembre. Donc, c'est un beau 8 en perspective. Ça va commencer à 8h où vous allez avoir un intervenant qui va justement lancer son live sur le thème de dépassons les préjugés avec le sujet que la personne aura choisi parce que chacun a choisi son sujet par rapport à ce thème-là librement. Et ensuite, une fois que l'heure passe, eh bien vous aurez à part d'info tous les liens de tous les youtubeurs justement pour pouvoir poursuivre le tarotton et basculer sur la chaîne puisque chaque intervenant fera son live sur sa chaîne YouTube.
Il y a juste quelques deux personnes qui ont, comme l'a dit Wassima, des vidéos enregistrées. Donc la première sera Kevin Meunier parce que malheureusement il était indisponible pour faire un live ce jour-là. Donc comme il souhaitait quand même participer à cette belle aventure du Tarotton, il nous a proposé de faire une vidéo enregistrée, donc vous pourrez la retrouver quand même. Et pourquoi pas laisser vos commentaires et vos questions sous sa vidéo. Et Sébastien Michel aussi, donc qui passera plutôt en fin de journée, qui a lui un problème technique et du coup malheureusement ne pourra pas faire le live. Mais par contre, il faut savoir que sa vidéo, au moment où elle sera diffusée, il sera présent sur sa chaîne YouTube. Donc vous pourrez quand même lui poser ses questions et il pourra vous répondre en direct dans les commentaires sous sa vidéo. Pour tout le reste, ce sera des lives et vous aurez juste à cliquer sur les liens pour basculer d'une chaîne à l'autre. Et toutes les heures, vous aurez un nouvel intervenant qui va vous parler du sujet qu'il a choisi, du sujet par rapport à la thématique de dépassons les préjugés par rapport aux cartes. Et à la fin de la journée, on se retrouvera pour un live bilan, un live global sur cette journée avec plusieurs participants pour faire un petit peu le bilan de cette journée, de ce tarotton spirituel autour des cartes et du thème de dépassons les préjugés. Alors, pour les horaires, alors on va vous présenter maintenant tous les intervenants qui vont présenter, qui vont vous offrir du contenu. Alors, je commence avec Christine and Céleste. Elle commence son intervention à 8 heures, donc de 8 heures à 9 heures. Elle va nous parler des tarots et des chakras. Alors, qui est Christine et Céleste? C'est une chaîne francophone, anglophone. Moi, je l'ai rencontrée plus du côté anglophone parce qu'elle présentait beaucoup de vidéos qui ont vraiment du beau contenu. Elle avait des nouvelles idées, de nouvelles approches et elle s'intéresse beaucoup aux thérapies aussi et comment jumeler la thérapie avec le tarot. Elle s'intéresse par exemple à l'aurasoma, à la thérapie intuitive comme le dessin, comme la peinture, etc. Fait que son sujet tarot et les chakras, elle a proposé une thématique qui ressemble à ça du côté anglophone. Et ça a été tellement apprécié que je me suis dit, il faut vraiment que je lui demande d'offrir quelque chose un peu qui ressemble à ça pour le côté francophone. Fait qu'elle va nous joindre de 8h à 9h et vous allez trouver sa chaîne un peu plus bas. Bonjour, c'est Christine de la chaîne Christine SLS sur YouTube. Ça s'écrit comme ça. Et donc, ma chaîne est une chaîne sur les tarots, les nouveaux jeux. Elle est plus spécifiquement en anglais, mais je fais aussi quelques vidéos en français. Donc je suis ravie de vous retrouver le samedi 8 décembre à 8h du matin. C'est moi qui ouvre les séances. Je sais, c'est super tôt, mais bon, on peut être en pyjama avec un café, tranquille. Tout va bien. Et je vais vous proposer un tirage sur les chakras. Alors, vous, il faudra avoir votre tarot avec vous, parce que ça va être interactif. J'aimerais vous emmener dans un tirage qui est vraiment un tirage de développement personnel, où vous allez voir comment votre corps, votre esprit est équilibré. Et pas seulement le vôtre, mais aussi celui de vos clients. C'est tout un univers qu'on va découvrir ensemble. Si vous ne connaissez rien sur les chakras, ça n'est pas grave, je l'ai fait à un niveau très simple, où tout le monde peut suivre. Donc, on se retrouve le 8 à 8 heures. Bisous. Et je précise que tous les horaires qu'on va vous annoncer dans cette vidéo sont les horaires du réseau France, c'est-à-dire que on est sur les horaires français. Donc si vous êtes par exemple au Québec, il va falloir que vous ajustiez les horaires par rapport à là où vous vous situez dans le monde. Voilà. Une fois que Christine et Céleste aura fait son live, eh bien, nous aurons le bonheur de retrouver Célia Melleville, que vous connaissez certainement puisqu'elle est créatrice de jeux, illustratrice. Elle a notamment créé le magnifique Oracle des Reflets. Elle a créé le Tamis Normand. Plus récemment, elle a créé le Lily Black and White Tarot. Elle a aussi participé à la création des petits oracles, des couleurs, des fées, des animaux de pouvoir en compagnie de Claire Duval, non Claire de la Lune. C'est une charmante personne qui a également sa chaîne YouTube et qui vous propose des petits tirages d'énergie sur sa chaîne et qui viendra, elle, nous parler du tarot comme outil de développement personnel. Elle passera sur sa chaîne, donc de 9h à 10h.
Alors, la personne suivante, c'est Ange de Gaïa. Elle va passer de 10h à 11h française. Elle va nous parler du masculin sacré. Et là, on va vous laisser sans introduction. Juste après. Bonjour, ici Ange de Gaïa. Alors voilà, je dois me présenter en quelques petites minutes. Ça ira très vite, pour une fois. En fait, si vous allez sur ma chaîne YouTube, Ange de Gaïa, vous découvrirez que je suis une grande bavarde. Mes vidéos sont très longues. Parce que voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Je parle. En fait, je propose sur ma chaîne YouTube de la spiritualité, du développement personnel, de la magie, de l'occultisme, du paganisme, plein d'autres ismes. Et voilà, j'anime également aussi un petit blog sur mon site internet parce que, eh bien voilà, je fais partie de ces personnes qui vivent sans réseaux sociaux. Donc vous êtes les bienvenus sur www.angedegaïa.com également. Que vous dire d'autre? Voilà, je vis pleinement en conscience, pratiquant le pardon, le non-jugement et une spiritualité assez profonde et poussée. Voilà, donc si ça vous intéresse de découvrir tout ça, vous pouvez venir voir sur ma chaîne ce qui s'y passe. En tout cas, vous aurez sûrement un bel aperçu samedi 8 décembre à 10h, parce que je fais mon live à 10h dans ce beau programme du Tarotton spirituel organisé par Au Pays de Candice et Wassima Magique, qui au passage ont fait un gros et beau travail pour permettre cette journée de live, de 12 heures de live. Et je vous parlerai justement du masculin sacré en m'appuyant sur l'oracle que j'ai co-créé avec Gabriel Leroy, qui en est l'illustrateur. Je me servirai en fait de certaines cartes de cet oracle pour vous parler du masculin sacré, en fait, pour avancer ça, parce que c'est une chose dont on parle peu, voilà. Donc, je suis très attirée par toutes les spiritualités. Je ne me définis pas dans une croyance ou dans une religion. En fait, j'aime prendre de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les croyances, les anciennes, les nouvelles, tout ce que vous voulez, voilà. Je suis une curieuse de nature et je partage absolument tout ce que je peux trouver de bon et de lumineux pour vous le renvoyer afin que vous aussi vous puissiez découvrir des choses, réfléchir, vous remettre en question et puis passer de bons moments. En tout cas, j'espère, bien entendu. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt, à samedi 8 décembre, 10h sur ma chaîne YouTube Ange de Gaïa pour parler du masculin sacré. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous envoie moult rayons de lumière. Ciao, ciao! Ensuite, nous aurons le bonheur de retrouver Anne-Sophie Pau de la chaîne La Magie d'Anne-Sophie, qui passera donc de 11h à midi et qui nous parlera donc de développer sa clairvoyance avec les oracles. Coucou tout le monde, je suis Anne-Sophie Pau de la chaîne La Magie d'Anne-Sophie. Je suis contente de vous retrouver ce samedi. Je suis nulle à cet exercice. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Pau de la chaîne YouTube La Magie d'Anne-Sophie, une chaîne sur laquelle je vous parle de tarot et d'oracle, bien entendu, mais également de lecture, des énergies, du plein de choses au final, d'astrologie aussi, de numérologie. Je suis clairvoyante et médium et je canalise notamment les guides, les animaux dans le monde d'en bas, les animaux de pouvoir, les animaux totems, mais également les guides du monde d'en haut avec les anges, les archanges, des divinités, des énergies qu'on n'a pas encore très bien identifiées d'ailleurs, et aussi des maîtres ascensionnés. Je vous partage leurs messages, leurs enseignements et aussi leur énergie dans différents soins, que ce soit individuel ou collectif, avec notamment les soins, les harmonies collectives que vous retrouverez tout au long de 2019. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site, vous avez le lien juste là, d'ailleurs. Je suis également la créatrice de la communauté Spiritencom, une communauté qui est un forum privé sur lequel nous pouvons réellement discuter sans avoir un petit peu les trolls des réseaux sociaux. Ouais, c'est bien aussi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce samedi 8 décembre à 11h pour vous parler des oracles et de clairvoyance et comment apprendre à développer sa clairvoyance avec les oracles. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. Des bisous.
Ben, j'ai réussi. Ce fut laborieux. Juste après, on va avoir Kevin Meunier. Ça va être un enregistrement, comme a dit Candice, parce qu'il est occupé cette journée-là, mais il voulait quand même être là. Donc, de midi à 1h, heure française, il va nous parler du tarot 2.0. Mystère. Alors, qui est Kevin? Kevin est un tarologue, il est coach vocal et thérapeute. Il a créé le la tarologie humaniste. Il est la psychocommunication aussi. Il est auteur aussi de certains ouvrages comme Murmure dans l'invisible, Tarot, Voyage de la Terre aux étoiles et Tarot, l'Odyssée terrestre. Donc, c'est un jeune talentueux et j'ai vraiment hâte de voir de quoi il va nous parler. Une fois que Kevin aura fini sa vidéo donc enregistrée, on passera donc à la carte des étoiles qui aura le bonheur de nous parler des cartes, un outil d'une incroyable richesse. Et vous pourrez la retrouver sur sa chaîne de 13h à 14h. Bonjour à tous, c'est Edwige de la chaîne La Carte aux Étoiles. Je vous retrouverai donc avec les autres youtubeurs dans le Taroton ce samedi 8 décembre. Donc je vous tente cette petite vidéo pour me présenter un petit peu et vous expliquer pourquoi j'ai créé la chaîne de la carte aux étoiles. Voilà, donc en fait, pour faire court, j'ai eu un parcours de vie un petit peu particulier qui m'a poussée très tôt à avoir besoin de comprendre comment les gens fonctionnent, comment la psychologie aussi de l'être humain s'articule, et puis de donner aussi du sens aux expériences, notamment aux épreuves qu'on peut traverser dans une vie. Voilà, j'avais besoin à un moment donné de pouvoir trouver une raison aux choses que l'on peut traverser, qui sont pas forcément évidentes, notamment à accepter, quand on ne leur donne pas un sens supérieur que juste le fait de subir les choses. Ça ne me parlait pas. Pour moi, il y avait quelque chose de plus grand, de plus fort que ça. Et donc, je me suis intéressée à la psychologie, au développement personnel et à la spiritualité, qui pour moi sont trois choses qui sont intimement liées. Voilà, donc c'est pas forcément une obligation de mettre de la spiritualité dans le fait de se comprendre, mais en tout cas, moi, dans les réponses que je cherchais, j'en ai trouvé certaines, beaucoup même, notamment dans le sens que les choses ont. Ben voilà, j'ai trouvé ça en essayant de coupler un petit peu, voilà, le fait de chercher à évoluer, de chercher à faire les choses mieux, de chercher à se comprendre, à se libérer de ce qui va pas, et pour pouvoir trouver dans quelle direction aller, selon quel principe ça a fonctionné, ben c'est la spiritualité qui m'a permis de donner du sens à tout ça. Et donc dans cette recherche-là, j'ai testé plusieurs choses, j'ai testé pas mal d'outils différents, le magnétisme, je me suis intéressée donc au fonctionnement du cerveau, etc. Et puis, j'avais un petit peu de mal à trouver l'outil qui me correspondait vraiment, jusqu'à ce que je découvre les cartes et les oracles, parce que pour moi, c'est un outil d'une richesse infinie, qui permet d'allier à la fois bah, justement le côté psychologie, le côté spiritualité. Il y a aussi une notion artistique dedans qui me tenait à cœur. Il y a une grande liberté, une grande diversité dans tout ce qu'on peut trouver. On peut poser des questions dans plein de domaines différents et à plein de niveaux différents. Ça peut aller de la carte du jour pour essayer de se maintenir dans une bonne énergie, pour essayer de trouver comment donner du sens ou comment accepter les événements de sa journée. Comme on peut aller fouiller bah voilà, dans des anciennes mémoires, on peut essayer de voir vers quoi on se dirige pour savoir si ça nous convient, etc. etc. Donc la richesse de cet outil m'a vraiment interpellée. Et puis il y a aussi ce côté magique, ce côté où voilà, on pose les cartes sur la table et bah voilà, à chaque fois ça fonctionne, on a des messages, on a des réponses, on peut travailler en projection, on peut travailler en étant en train d'accepter tout simplement la réponse que nous donnent les cartes. Et donc bah, j'ai eu un espèce de lien qui s'est créé quand j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec les oracles. Et à partir de là, je me suis passionnée vraiment pour tout ça. Et voilà, depuis, je suis dans la gratitude chaque jour que la vie m'ait fait ce beau cadeau de pouvoir découvrir ça et d'avoir trouvé enfin quelque chose qui me permettait de pouvoir allier en fait tout ce qui m'intéressait, tout ce qui me tenait à cœur et qui pouvait aussi me permettre bah, d'apporter aux gens ce qui pour moi était primordial, c'est-à-dire le fait de se comprendre, de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus consciemment parce qu'on a des éléments soit de réponse, soit qui nous permettent de réfléchir. Et puis ça nous permettait aussi, en tout cas à mon sens,
Les oracles permettent aussi de ne plus être esclaves de notre passé, de notre inconscient, de la façon dont notre cerveau s'est façonné, notamment quand on était jeune ou quand on a subi un choc. Ça nous permet de dépasser tout ça. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît, c'est ce que j'aime apporter aux gens, c'est quelque chose qui m'accompagne aussi dans ma vie. Voilà, donc si ce sujet-là vous intéresse, ben je serai très heureuse d'en discuter plus en détail avec vous lors du Taroton, donc ce samedi 8 décembre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis, j'espère, au 8. Juste après, vous allez trouver Stéphanie, je l'appelle Steph, journal d'une femme moderne et spirituelle, donc qui va nous présenter à 14h, donc de 14h à 15h, heure France. Le développement va nous parler des cartes et du développement personnel. Et on vous laisse voir sa présentation. Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Steph, c'est moi, voilà. Alors, pour me présenter en bref, j'ai 35 ans, je suis belge, et puis voilà, ma chaîne, en ce qui concerne plutôt ma chaîne et son contenu, je présente plutôt des reviews de jeux de cartes, je présente également des guidances sentimentales, des guidances journalières, je présente également le message de nos vies antérieures, je présente également tous les débuts de mois, signe par signe, j'explore un peu plus le domaine du travail, des projets, le domaine relationnel, ainsi que le domaine du développement personnel et spirituel. Donc c'est assez développé, voilà, chaque début de mois je fais ça signe par signe. Puis vous pourrez également retrouver des points lecture parce que j'adore lire entre les cartes et les livres. Des fois, je ne sais pas choisir. Voilà. Donc vous pourrez retrouver également des points lecture qui ne sont pas spécialement des livres de développement personnel, même si j'adore ça, ou de tarot, ou de psychologie, non. C'est des romans, voilà, parce que je trouve que ça peut nous apprendre vraiment beaucoup de choses aussi. Ensuite, vous pouvez retrouver également les favoris du mois. C'est-à-dire que chaque début de mois, je vous poste mes favoris, les choses qui ont été des coups de cœur pour moi. C'est pas seulement des choses matérielles, des fois il peut s'agir aussi de chaînes YouTube, il peut s'agir de musique, il peut s'agir de films, de séries, et puis évidemment les cartes, les livres, les tisanes, les encens, etc. Voilà, donc ça je fais ça aussi une fois par mois. Alors... ça, c'est vraiment le principal. Après, je suis aussi un peu plus dispersée pour le moment, mais bientôt, je vais restreindre. Et donc, vous pouvez également retrouver sur ma chaîne des vlogs, retour de shopping, beauté, bio, soins. Vous pouvez retrouver des top 10 de mes livres spirituels et de développement personnel. Vous pouvez trouver des vlogs découvertes où je vous présente un produit que j'ai découvert et que je trouve fantastique. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, hein. Ça englobe le côté journal d'une femme moderne et spirituelle. Mais voilà, bientôt je vais restreindre un peu les choses. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien que je suis ravie de participer évidemment à ce taroton spirituel que je trouve très intéressant pour la thématique, hein, donc qui est de dépasser les préjugés, d'éviter les préjugés. Je trouve ça très intéressant. Et moi j'ai choisi un sous-thème donc par rapport à ça, et c'est le développement personnel, utiliser donc les cartes, le tarot comme outil de développement personnel. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je remercie encore une fois Candice et Wassima pour leur demande, voilà, pour la participation au Taroton. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on se retrouve très bientôt. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Bisous lumière. À 15h, de 15h à 16h, vous aurez le plaisir de retrouver Marie-Christine Chambon. Vous la connaissez probablement puisque c'est elle qui a créé l'oracle tarot Umrazai, le jeu
Moi, je vous l'avais présenté sur ma chaîne et d'ailleurs, on avait fait une discussion autour des cartes au sujet de l'Umu Razaï. Donc, elle va nous parler du passage de cette fin d'année, oser sortir du connu et tenter une aventure de vie. Alors, qui est Marie-Christine? Eh bien, Marie-Christine, c'est une artiste. C'est une artiste qui fait des peintures et elle s'inspire beaucoup de sa peinture justement pour créer son jeu. Ça a été un jeu qui a été beaucoup inspiré justement par son art, voilà, c'est un peu l'art-thérapie, comme on peut dire. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences sur son jeu, justement, l'Umu Razaï, qui est beaucoup dans le développement personnel. C'est un coaching qui se sert beaucoup de la créativité, justement, pour nous aider à avancer et à prendre un peu notre pouvoir sur la vie. Alors, la personne suivante, ça va être moi. Alors, je vais juste voir l'horaire. C'est de 16h à 17h hors France. Donc, ça va être de... oui, c'est ça, 16h hors France. Donc, c'est 10h heure Québec. Et je vais vous parler de du tarot, un péché ou une bénédiction. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute intuitive et chamanique. Je suis auteure et créatrice de plusieurs cartes oracles. Et je suis aussi messagère cosmique. Donc, je canalise des messages de certains maîtres et de certains guides pour l'humanité, c'est ouvert. Et aussi, je suis créatrice de plusieurs challenges avec ma belle Candice pour aider les personnes à incarner un changement ou à apporter du changement concrètement dans leur vie rapidement. Donc, on n'est pas obligé de passer des années. Et pour voir un point, en savoir un peu plus, peut-être voir la page principale de ce qu'on a créé ensemble, Move Challenge, sur mon site web. Et une fois que donc vous aurez assisté au live de la belle Wassima, eh bien vous basculerez sur ma chaîne, puisque c'est moi qui prendrai le relais, de 17h à 18h. Et le sujet que j'ai choisi par rapport à cette thématique, pour les gens qui me connaissent, ne va pas vous surprendre, puisque j'ai choisi le tarot de Marseille, et je pense qu'il y aura de quoi faire. Donc pour les gens qui ne me connaîtraient pas, eh bien je suis une passionnée des cartes, j'adore les cartes, ça fait 20 ans que je me sers des cartes. Pour moi, c'est un outil qui est un outil de vraiment de développement personnel et de meilleure connaissance de soi. C'est un conseiller, c'est même plus qu'un conseiller, c'est un ami avec qui on peut parler et qui ne sera pas dans le jugement, mais qui justement peut nous apporter des clés. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre au travers de mon travail, de donner des clés pour justement reprendre un peu le pouvoir sur notre vie et pouvoir prendre les décisions qui nous sont justes pour nous et pas par rapport aux voisins. Et c'est ce que j'essaye un peu de transmettre au travers de mes enseignements ou de mes consultations. Je fais aussi des formations justement de Tarot de Marseille. Et bien sûr, comme l'a dit Wassima, on a créé le Move Challenge. Donc, ce sont des challenges qui sont sur quelques jours, 21 pour la plupart, où on vous invite justement à faire des exercices pratiques pour pouvoir mettre en place des choses, des actions. On a aussi créé un groupe sur Facebook, le groupe du Move Challenge, privé pour vous permettre justement de travailler et d'être dans la créativité, mais aussi pouvoir apprendre à travailler avec vos cartes. Et puis j'ai ma chaîne YouTube où je vous propose toutes les semaines des énergies de la semaine, mais aussi des présentations de livres, de cartes, parce que j'adore ça, et de tirages, des exercices justement pour comment réaliser des tirages, etc., etc. Et une fois que j'aurai fini mon live, eh bien nous basculons sur le live entre guillemets de Sébastien Michel. Alors, Sébastien Michel, qui est-ce? Vous l'avez peut-être rencontré pour les personnes qui suivent ma chaîne, parce qu'on a déjà fait plusieurs discussions autour des cartes avec lui, notamment sur le tarot de Marseille, mais aussi sur l'astrologie. C'est un professeur de développement personnel, de tarot, d'astrologie, de coaching. C'est quelqu'un qui possède sa propre école à Montréal, donc depuis une quinzaine d'années. Il a appris justement tout petit par l'intermédiaire de son père les cartes et il fait beaucoup de conférences, il donne des consultations publiques. Il a beaucoup de certificats en parapsychologie, en tarologie, en astrologie, en méditation aussi. Il s'intéresse de plus en plus, au fil des années, il s'est intéressé de plus en plus à l'aide, la relation d'aide et le coaching, donc par les arts divinatoires.
Il a essayé de développer ses propres outils justement pour améliorer justement ses consultations, où il allie beaucoup justement le tarot et l'astrologie. C'est quelqu'un qui a aussi écrit des livres. Il a écrit 7 livres sur le tarot, l'astrologie, le développement personnel. Il a également publié un roman. Il a fait beaucoup de choses, ce Sébastien. Et il a participé aussi à des émissions télé, radio, mais aussi des magazines. Il travaille à plein temps dans son métier. Il donne régulièrement des conférences. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne aussi. Il y a des conférences qui sont diffusées, rediffusées sur sa chaîne. Il a aussi fait des présentations du Tarot de Marseille, ainsi que des petites présentations sur l'astrologie, et qui sont très courtes et très complètes et qui peuvent vous donner des bonnes bases. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Sébastien a un petit problème technique au niveau du live, mais vous pourrez quand même le retrouver donc de 18h à 19h sur sa chaîne, parce que même si vous aurez une vidéo enregistrée, il faut savoir que lui sera connecté à sa chaîne YouTube. Donc dès que vous posterez un commentaire, il sera présent pour vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez des envie de lui parler directement, il sera là de 18h à 19h pour répondre en direct à vos questions. Juste après, on va avoir un live en groupe, donc de 19h à 20h, qui va marquer la clôture du Tarotan. On va se retrouver ensemble avec vous, avec d'autres intervenants, d'autres youtubeurs, pour parler de la journée, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aurez aimé explorer, peut-être dans l'avenir, qui sait, et aussi pour vous présenter un concours dans lequel vous allez gagner plusieurs cadeaux, des consultations, des livres, des tirages, etc. Donc ça, on le laisse comme surprise pour le live en groupe. Et du coup, une fois qu'on aura fini cette belle journée, donc vous aurez accès donc à ce concours, mais vous aurez aussi pendant ce live justement l'occasion de parler et de nous faire votre bilan. C'est pour ça que c'est important aussi pour vous de participer, parce que ce taroton, ce n'est pas que le taroton des participants, c'est aussi et avant tout votre taroton. Donc on compte sur vous pour être présent et puis pour partager aussi vos sensations et est-ce que vous avez aimé ou peut-être moins aimé, on ne sait pas, mais nous faire vos retours et partager avec nous aussi finalement ce que vous aurez appris sur cette journée. On va vous remettre les horaires, donc je vais vous mettre à la fin de cette vidéo la plage horaire, comme ça vous aurez plus qu'à tout noter. Sachez que vous retrouverez tous les liens des sites YouTube en barre d'infos. Le jour du taroton, donc demain, on va tous les intervenants vont mettre aussi dans leur barre d'infos des vidéos les liens des autres chaînes. Donc vous aurez plus qu'à dérouler la barre d'infos et cliquer sur le site. Donc ce sera, il n'y a aucune difficulté pour vous, vous aurez juste à suivre. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, il faut juste se préparer. Au Québec, ça va être très, très, très tôt. Mais je pense que les vidéos... Ah oui, une autre question. Tiens, la question, est-ce que les vidéos vont être en rediffusion? Une question qu'on nous pose souvent. Alors, pour notre part, donc moi, Wassima, Candice, nos vidéos vont être en rediffusion et probablement sur les autres chaînes. Il faut juste noter qu'il y a des avantages à être présent au live. Comme on vous a dit, il y a un concours et tout, fait que le mieux, c'est que vous soyez là le plus possible. Vous aurez juste le temps de manger, puis même ça, là, vous pouvez le faire devant votre chaîne, votre ordinateur ou votre téléviseur. Exactement. Pour le concours, sachez que ce sera un concours qui sera limité dans le temps, justement. Après, on sait aussi que c'est difficile de rester 12 heures devant un écran. Donc, forcément, il y aura aussi quand même des moments de pause pour vous. Mais si vous êtes présent pendant les lives, forcément, vous aurez un avantage, c'est-à-dire déjà de participer au concours, mais aussi de pouvoir être en interaction avec, justement, les différents intervenants et pouvoir poser vos questions directement. Chose que vous aurez peut-être pas par la suite, même si vous pourrez toujours poser vos questions en commentaire, c'est quand même plus enrichissant d'avoir les réponses tout de suite au fur et à mesure et d'avoir du coup un vrai dialogue. Voilà, alors on se retrouve le samedi 8 décembre à 8h française, avec grand plaisir, puis à bientôt. À bientôt, à demain. À bientôt, c'est demain.
Ah oui, c'est oui, oui, c'est vrai. Nous, on enregistre ça un tout petit peu d'avance. On se retrouve donc dès demain à partir de 8h avec Christine Anne-Céleste qui va ouvrir le bal de ce tarotton pour une journée rythmée, soutenue et on l'espère qui vous plaira et qui vous apportera beaucoup d'informations mais aussi un bon moment de partage. On compte sur vous, n'hésitez pas à partager l'événement. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les infos des participants en barre d'infos. Vous pouvez retrouver le programme en fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi le retrouver sur nos pages Facebook de tous les intervenants ou quasiment presque. Donc n'hésitez pas à partager si vous savez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Partagez l'événement. Et puis nous on se retrouve demain dès 8h pour ce tarotton. Et puis en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée ou une bonne nuit selon. À bientôt.